Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la table de Tata Lili, émission dédiée à l'éducation et à l'épanouissement de nos enfants. Durant notre aventure aujourd'hui, nous parlerons des droits à la protection de nos enfants. Nous ferons un apprentissage culinaire. Et pour vous qui nous regardez à la maison, vous avez la possibilité de gagner plein de cadeaux. Il vous suffit de répondre à la question que je vais vous poser tout à l'heure. Et bien sûr, si vous voulez faire participer vos enfants à l'émission, il vous suffit d'appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou de laisser un mail à l'adresse ivyhope@gmail.com. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à notre table, nous avons deux charmants amours. Bonjour mes amours. Bonjour Tata Lili. Bien, vous allez bien? Très bien. Ok, je commence par ce charmant garçon. Bonjour champion. Bonjour Tata Lili. Comment tu t'appelles? Ange. J'ai un ange à ma table aujourd'hui, super! Ah, il est mignon quand il sourit! Alors, Ange, tu es content d'être là aujourd'hui? Oui, Tata Lili. Tu es venu avec qui aujourd'hui? Avec maman. Avec maman. Alors, on fait un coucou à maman. On regarde la caméra. Allez, bonjour maman! Bonjour maman. Alors, super! Et à toutes ici, j'ai une charmante demoiselle. Elle est toute belle. Bonjour, princesse. Bonjour, Tata Lili. Comment tu vas? Je vais bien. Comment tu t'appelles? Davina. Davina, ah, quel joli prénom. Tu es contente d'être là, Davina? Oui, Tata Lili. Qui t'accompagne aujourd'hui, Davina? Maman. Allez, on fait un charmant coucou à maman. Bonjour, maman. Super. Ah, vous êtes contents, n'est-ce pas? On fait un grand sourire. Ah, mesdames et messieurs, aujourd'hui, à notre table, nous ferons un apprentissage culinaire qui s'intitule « Les petits sablés ». Délicieux pour les goûters des enfants et pour le petit déjeuner le matin. Mais avant de commencer, nous allons en quelques minutes parler des droits à la protection de nos enfants. C'est quoi les droits à la protection des enfants? Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement sain. Il a le droit de ne pas travailler. Il a le droit de ne pas faire la guerre et de ne pas la subir. Il a le droit d'être en famille. Alors, mes petits amours, vous êtes des enfants, n'est-ce pas? Je t'attends, Lili. Alors, qui connaît ses droits? Tu connais tes droits? Voilà. Alors, cite-moi un de tes droits que tu connais. J'ai droit à l'éducation. Oui. À être nourri. Oui. À un logement. Super! Bien, mon chéri. Et Française, tu peux citer deux droits que tu connais. Dis ce qui te vient par la tête. Moi, j'ai droit à la santé. Ils ont le droit à la santé. Ils ont le droit d'avoir une éducation saine. Ils ont le droit d'avoir un logement. Ils ont le droit de ne pas travailler. Maintenant, nous allons passer à notre apprentissage culinaire du jour qui s'intitule « Les petits sablés ». Mais avant, nous allons faire la préparation. D'accord? On se prépare. Suivez-moi, mes amours. Nous allons commencer par Ange. Allez, Félix, sa jolie blouse. Voilà. Ange, ça va? Oui, t'as pas l'idée. Tu es content de cuisiner avec moi aujourd'hui? Oui, Tata Lili. Qui a déjà vu les sablés? Davina? Tu as déjà vu les sablés un jour? Jamais? Ah, donc c'est une découverte pour toi aujourd'hui. Super! Comme ça, quand tu vas rentrer à la maison, maman m'a dit que je n'ai pas la réputation et puis je dis que moi, je peux faire mes petits goûters. N'est-ce pas? Toute seule. Maintenant, c'est taillé elle-même. Voilà. Mes amours, avant de commencer la cuisine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se lave? On se lave les mains. Allez! Nous avons les mains bien propres. Aujourd'hui, j'ai dit que nous allons faire des petits sablés. Ce sont des petits biscuits très délicieux pour le goûter à la maison le matin. N'hésitez pas à le faire chez vous. Maintenant, Ange, pour faire des sablés, tu as déjà vu des sablés, n'est-ce pas? Oui, tu peux me citer ce que tu vois sur ta table? Oui, tata, oui. Tu vois? La farine. Oui. Le sucre. Oui. Le beurre. Oui. L'œuf. Oui. Et la vanille. Oui. Et le sel. Super! Bravo, mon champion! Et Française, pour faire des sablés, nous avons besoin d'un petit matériel. Nous avons besoin de... De quoi avons-nous besoin pour faire des sablés? La farine, non, oui, princesse, la farine. Maintenant, cite-moi le matériel, nous avons besoin d'une terrine, va avec moi. Une terrine, une planche à découper, okay. Un rouleau, Flo. Et un four.
D'accord, super princesse. Alors, nos recettes du jour s'intitulent le petit sablé. Nous aurons besoin comme matériel d'une terrine, d'une planche à découper, d'un rouleau, d'un four et des emporte-pièces pour des petites décorations. Alors maintenant, nous allons commencer notre apprentissage, d'accord? Vous prenez vos terrines. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors là, d'accord, super. Voilà, Davina, tu prends ta terrine que tu poses devant toi. Magnifique. Voilà. Alors, pour notre recette, nous aurons besoin de 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre, un sucre vanillé, un œuf et une pincée de sel. Nous allons commencer par mettre notre farine dans la terrine. Allez, on verse la farine dans la terrine. Ouais. Bien. Super. Maintenant, nous allons prendre, récupérer notre beurre qui est là. Mettez le beurre sur la farine en petits morceaux, en petits morceaux. Maintenant, nous allons mélanger le beurre à la farine avec les bouts des doigts. On essaye. Allons-y. Oui, vas-y. Allez-y. Avec les bouts des doigts. Bien. Oui. On mélange. Oui, Ange. Bien. On fait un joli mélange. Allez-y. Voilà. Bien, princesse. Allez, tu vas y, vas-y, on fait un mélange. Je vais t'aider un peu. Allons-y ensemble. Là, on fait ça. On fait ça. Bien, super. Tu vois comment ça mélange, j'espère. Ça commence à changer. Ça fait comme une petite pâte homogène. Voilà, tu vas juste goûter aussi. Oui. Mmh, c'est beau à voir. Tu aimes faire ça? Tu vas faire ça pour maman à la maison, n'est-ce pas? Mmh. Wow, quand tu rentres pour maman, je vais te faire des petits sablés délicieux pour mon petit déjeuner. N'est-ce pas? Allez, continue. Allez, Ange, ça va? Oui, t'as compris. Je peux t'aider un peu? Ça va? Ok, attends, attends, je t'aide un peu pour que ça pâte. On va... Allons-y ensemble. Essaye. Allons-y. Vas-y, voilà. Tu mélanges. Bien! Nous avons une petite pâte presque homogène. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, nous allons verser du sucre. Vous prenez le sucre? C'est ça le sucre. Tu prends ton sucre? Tu verses, oui, vas-y. Vas-y, verse le tout. Versez, versez. Bien. Alors là, nous avons la vanille. Tu récupères ta vanille, Ange. Voilà, bien. Tu secoues, princesse. Alors, tu déchires et tu verses. Non! Vas-y! Le cuisinier, le chef cuisinier! Non, ta poubelle, champion! Bien! Bien, princesse! Une pincée de sel! Une pincée! Une petite pincée! Voilà! Je t'en jette! Ouais, tu prends une pincée de sel! Une petite pincée! Ouais, vas-y! Super! On fait le mélange! On mélange? Oui. Bien, c'est beau! Davina, tu es contente? Ah, super! Ange, ça va? Oui, ça va. Voilà. Maintenant, je vais vous aider avec des œufs. D'accord? Je vais prendre mon œuf. Vas-y, non, non. Continue à tourner. Dépose ton œuf. Dépose ton œuf. Je vais prendre l'œuf que je vais casser dans un petit bol. Je commence par Davina. On va battre un peu. Là, on verse sur ta préparation. Maintenant, tu vas mélanger pour que ça te donne une seule boule. D'accord? Vas-y alors. Je te regarde. Je fais pareil chez toi, Ange. Tu me passes ton œuf. Ouais, merci. Là. Oui. Et tu me laisses passer un peu. Attends, passe. Voilà. Je vais verser. Bien. Là, maintenant, tu me fais un mélange pour avoir une seule boule. Bien, princesse. Ah, super. Vas-y. Allez. Bien. Tu fais comme ça. Tu ramasses. Bien. On ramasse. Super.
J'enlève les mains avec la farine. Je ramasse. On va te faire une seule boule. On ramasse. Voilà, applique. Allez, fais comme moi. Bien. Tu vas voir. Tu vois comment ça se transforme, n'est-ce pas? Ça prend la forme d'une seule boule. Vas-y, tu ramasses avec les mains. Et tu ne mets plus les mains. Tu fais une seule boule avec. On fait bien. Bien, super, princesse. Ah là, on a une jolie boule. Une jolie boule pour nos délicieux petits sablés. Après, on fait ceci. Allez, avec tes petites mains, tu vas faire rouler. Voilà. Tu roules. Bien, magnifique, princesse. Allez, Anche, me laisse t'aider. Allez, on enlève l'excédent sous la main. Voilà. On récupère. Tu fais une jolie boule. Vas-y. Tu peux avec ta boule. Voilà, c'est bon, princesse. Voilà. Là, nous avons une jolie boule. Deux pattes. Un petit sablé. Maintenant, à la maison, si le matin vous êtes pressé, vous pouvez la faire étaler directement ou la laisser au frigo une demi-heure. D'accord? Hein? D'accord, mes amours? Quand tu finis de faire ta pâte, d'accord? Si tu as beaucoup de temps, si tu es à la maison, tu ne vas pas sortir, tu mets au réfrigérateur pour une demi-heure. Mais nous, nous allons étaler notre pâte directement. Nous allons mettre un peu de farine, d'accord? Sur notre planche. Ça, c'est une planche à découper. Voilà. Alors, nous allons prendre notre pâte. Nous allons déposer ici. Bien. Princesse, tu as déjà écrasé une pâte un jour. Tu as déjà fait ça. Voilà, tu vas essayer, n'est-ce pas? Allons-y. Attends, on va prendre un rouleau à pâtisserie. C'est ça le rouleau à pâtisserie. Hein? Tu regardes comment je fais. Après, tu fais. N'est-ce pas? On arrête la planche comme ça. Tu mets les deux. Oh, tu regardes ici. Tu mets les deux mains comme ça. Tu poses sur ta pâte. Tu fais des petits mouvements. D'accord? Des petits mouvements. Tu vois que la pâte, c'est carrément. C'est normal. Ce sont des sablés. D'accord? Ça veut dire que ta pâte, elle est bien faite. Tu l'écrases. Tu ramasses, prends la farine, on recommence à écraser, on écrase, là, super, c'est beau, n'est-ce pas? Alors, maintenant, nous allons faire des petites décorations. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Des emporte-pièces. Des emporte-pièces que je vois ici. Alors, tu as un joli cœur, n'est-ce pas? C'est beau! Et toi, Ange, tu as quoi comme ça, là? Tu as une étoile, ma princesse. Nous allons permettre à Kama de voir ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous allons déplacer nos petits bols qui sont là devant, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton emporte-pièce, arrête, que tu déposes tout au bout ici. Oui, et tu as fait. Super! Magnifique! Voilà, encore ici. Vas-y. Magnifique, princesse. Allez, Ange, tu vas essayer. Tu arrêtes, tu fais un joli cœur. Quelque part là. Là, oui. Bien, encore ici. Bien, encore là. Super! Là, maintenant, nous avons des jolies différentes formes, n'est-ce pas? Ce qu'on fait, nous enlevons l'excédent. Comme ça. On fait ça. On fait ça. Allez, Damina, tu reformes une petite boule avec ça. Et nous avons des petits biscuits. C'est beau, n'est-ce pas? Ah, elle est contente! Maintenant, nous allons les faire passer au four. Mais bien sûr, pour vous à la maison, si vous voulez faire des petits sablés et que vous n'avez pas de four, vous pouvez utiliser une marmite avec un plateau à tarte. Vous beurrez tout simplement, vous posez vos petits biscuits au-dessus, vous laissez cuire, vous laissez chauffer la marmite quelques minutes et vous aurez des sablés magnifiques. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre
Notre grille à four. Qui est là? Et maintenant, je vais utiliser ta table. Je vais la poser ici. D'accord? Nous allons prendre notre papier sulfurisé. Ça, c'est un papier qui empêche la pâte de coller. D'accord? Nous allons le couper. Voilà, le poser juste là, comme ceci. Voilà. Bien, besoin d'une petite forme. Alors maintenant, Davina, Ange, ce qu'on va faire, on va prendre nos petits biscuits. Nous allons les déposer sur la petite planche. Oui. Bien, merci. Merci, chérie. Là. Voilà. Maintenant, qui va écraser la pâte? Ouais. Bien. Bravo, champion. Bien. Voilà. Oui, on tourne un peu la pâte. On prend l'autre côté. On va prendre la planche à côté. Non, on tourne avec deux mains, avec délicatesse. La pâte, ce sont des sablés. D'accord. Allez, on continue. Oui, c'est bon. Faut pas trop l'écraser. C'est bon, champion, c'est bon. Waouh, bravo! Alors, nous allons faire un découpage des étoiles et des petites fleurs. Allons-y. À deux, chacun peut faire de son côté. Hein. Bon, princesse, on change de côté. C'est par ici. Vous voyez ce petit creux-là? Ça vous permet de poser et appuyer. Il faut toujours regarder. Bien, magnifique. Encore. Ici. Toi, tu fais là, princesse? Non, non, je sais. Là. Super. Ah, c'est joli. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien. Ah, là. Super. Ah, allez, on va un peu plus loin. Allez, vous mettez dans la grille vous-même. Sans vos petits biscuits. Bien. Alors, nous avons nos jolis petits sablés sur une grille. Ce que nous allons faire maintenant, avant de passer au four, nous allons casser un œuf. Un œuf que voici. Nous allons utiliser un pinceau, nous prenons notre pinceau, d'accord? Et nous allons badigeonner nos sablés pour avoir une belle couleur et que ce soit bien doré. On fait ceci, là. Qui va essayer? Moi. Voilà, venez. Voilà. Voilà notre pinceau. Davina, tu viens. Ange, vas-y. Je pose là. Vas-y. Tu badigeonnes, tu mets au-dessus. Oui, ce chéri ici. Ah, tu laisses Davina essayer aussi. Davina, tu viens. Voilà, je prends ton pinceau. Vas-y. Ici. Vas-y, les papas. Prends encore. Oui, vas-y. Super, princesse. Magnifique. Encore ici. Voilà. Ok, maintenant, après ça, nous passons nos petits biscuits au four pour environ 10 minutes. Mesdames et messieurs, vos petits biscuits sont prêts. Vous avez badigeonné le dessus avec un peu d'œuf. Vous faites passer au four déjà préchauffé pour 10 ou 8 minutes au four et vous aurez des sablés délicieux. De continuer, la question du jour est la suivante. Quel est le nom du petit matériel que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire des petites décorations pour nos sablés? Pour répondre à cette question, il vous suffit d'appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou bien sûr me laisser un mail à l'adresse ivyhope@gmail.com. Vous avez nos petits sablés qui vont au four, très jolis, très beaux. Et très délicieux surtout. Alors, mes amours,
Pendant que nous enfournons nos petits sablés, nous allons faire un petit rangement, d'accord? Aujourd'hui, pour un petit bonus, l'astuce du jour. Généralement, à la maison, nous sommes parfois fatigués, nous avons nos petits problèmes. Après la cuisson, nous avons mis un peu trop de sel dans la nourriture. Ah, après, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment diminuer le sel. Alors, pour vous aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire absorber le sel dans la cuisson. Il vous suffit de prendre une grosse pomme de terre que vous allez éplucher, vous allez bien laver et vous la lancez dans la marmite et vous continuez vos cuissons. Je vous assure, après, vous retrouvez un goût parfait. Mesdames et messieurs, j'espère que cette recette d'aujourd'hui vous a plu. Avant de vous présenter le résultat, je vais faire un petit calculatif de ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Nous avons eu besoin de 250 g de farine, de 125 g de sucre, 125 g de beurre, un sachet de sucre vanillé et un œuf. J'espère que vous allez essayer à la maison. N'hésitez pas, c'est super bon. Après avoir enfourné, nous avons sorti nos petits sablés du four. Ah, ils sont beaux. Regardez avec moi. C'est magnifique. Pour le goûter des enfants, pour le petit déjeuner, pour les petits... En plus, vous pouvez l'utiliser avec du chocolat, avec de la confiture. Ça dépend de vous. N'hésitez vraiment pas à les refaire chez vous. J'espère que ça vous a plu. Alors, on se retrouve pour la prochaine édition. Merci. Mes amours, on fait un petit câlin. Merci d'avoir été avec moi. On dit bye bye. Bye bye. Bye bye. À la prochaine. Bye.